Non, bonjour, c'est Kitita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. On vient d'annoncer que Keiko Kitagawa et Naomi Watanabe vont interpréter Isabella et Crone du film live-action The Promised Neverland qui sortira au Japon le 18 décembre 2020. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces deux actrices et je vais analyser Isabella et Crone. Présentation des actrices! Keiko Kitagawa est une actrice japonaise née le 22 août 1986 à Kobe au Japon. En 2003, Keiko Kitagawa a interprété Sailor Mars de la série télé Pretty Guardian Sailor Moon. Pretty Guardian Sailor Moon est une série télé japonaise créée d'après le manga Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Il raconte l'aventure des guerrières du système solaire interne qui se battent contre les forces obscures. Sailor Mars est la guerrière du feu et de la passion. En civil, Sailor Mars est Rei Rino, une adolescente qui fréquente une école privée catholique. Rei possède naturellement des pouvoirs spirituels et est prêtresse dans un sanctuaire shintoïste. Keigo Kitagawa a interprété Leiko de Fast and Furious Tokyo Drift. Fast and Furious Tokyo Drift est un film américano-allemand réalisé par Justin Lin, sorti en 2006. Il raconte l'aventure des passionnés des courses automobiles. Leiko est une lycéenne japonaise qui est dans la même classe que Sean, le protagoniste de l'histoire. Elle a tendance à manger du chewing-gum. Keiko Kitagawa a interprété Asami Inaba de Solen Identity. Solen Identity est un film de thriller japonais réalisé par Hideo Nakata. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme Akira Shiga, publié en 2017. Il raconte la désastreuse vie de Asami Inaba, travailleuse intérimaire dans une entreprise, qui se fait piéger par un homme mystérieux qui a volé son identité. Naomi Watanabe est une comédienne japonaise d'origine taïwanaise née le 23 octobre 1987. Elle est devenue populaire au Japon en 2008 en faisant une imitation de Beyoncé à la télé. Naomi Watanabe a interprété la dominatrice Seiva de R100. R100 est une comédie dramatique japonaise réalisée par Hitoshi Matsumoto. Il raconte une étrange vie d'un homme ordinaire qui rejoint un club privé. Dans ce club, il rencontre des femmes dominatrices qui lui offrent un monde de plaisir. La dominatrice Saeva est une dominatrice qui offre du plaisir à son client en crachant sur lui. Naomi Watanabe travaille aussi en tant qu'actrice de doublage. Naomi Watanabe a fait la voix japonaise de Abby de SOS Fantôme. SOS Fantôme est un film américain réalisé par Paul Feig, sorti en 2016. Il raconte l'aventure des chasseuses de fantômes. Abby est un personnage interprété par Melissa McCarthy. Abby est une chasseuse de fantômes qui essaye de prouver l'existence de fantômes. Elle est amie avec Erin Gilbert, le protagoniste de l'histoire. Erin et Abby ont exposé dans leurs jeunes années leurs théories paranormales dans un livre commun, Fantômes de notre passé, au sens littéral et figuré, une étude du paranormal. Naomi Watanabe a fait la voix japonaise de Frida Kahlo de Coco. Coco est le 130e long métrage d'animation produit par le studio Disney et Pixar. Réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina et sorti en 2017. Il raconte l'aventure de Miguel, un jeune garçon dont le rêve est de devenir un musicien, qui se retrouve propulsé dans le pays des morts. Frida Kahlo est l'un des habitants des pays des morts. Elle est une artiste mexicaine. Analyse de Isabella et Crone. Isabella, appelée aussi maman, est l'antagoniste principale du premier arc du manga. Elle est la gérante de l'orphelinat Gracefield House. La voix de Isabella est faite par Yuko Kaida. Présentation de Yuko Kaida! Yuko Kaida est une actrice de doublage japonaise née le 14 janvier 1980 à Kanagawa. Yuko Kaida fait la voix japonaise de Wonder Woman de DCEU. DCEU est une série de films blockbusters américains produits par DC Films, mettant en scène un univers étendu de super-héros adaptés de DC Comics. Wonder Woman est interprétée par Gal Gadot. Fille de la reine Hippolyte, elle est la princesse des Amazones, un peuple de femmes qui vivent sans âme sur l'île de Themyscira. Elle est la première super-héroïne de l'histoire des comics. Elle est un symbole féministe très puissant. Yuko Kaida fait la voix japonaise de Letty de Fast and Furious. Letty est interprétée par Michelle Rodriguez. Laetitia Letty Ortiz est l'épouse de Dominic Toretto et belle-sœur de Mia Toretto. En tant que protagoniste de la saga Fast and Furious, Letty Ortiz est l'amie d'enfance de Dominic Toretto et elle est devenue pilote de course, mécanicienne et voleuse. Yuko Kaida fait la voix japonaise de Heblaska de Digimon. Digimon est un manga shonen de Katsura Hoshino. Il raconte la guerre entre les exorcistes et le clan Noé. Heblaska est une entité mystérieuse protectrice des armes collectées par les exorcistes. Elle est une exorciste qui existe depuis la création de la Congrégation de l'Ombre. Elle a pour rôle de protéger les armes collectées par les exorcistes en attendant qu'elles trouvent leur rang compatible. Elle a le pouvoir de connaître le taux de résonance entre l'exorciste et son arme, c'est-à-dire la capacité pour l'exorciste de fusionner avec son arme. Elle a aussi un don de prévoyance sur l'avenir. Mauvaise maman! Pour les orphelins, Isabella était une véritable mère douce et aimante, mais en réalité, c'est une gardienne perspicace, trompeuse et impitoyable. Isabella montre une grande intelligence pour déjouer les plans d'évasion des orphelins. Il existe d'autres mauvaises mamans dans le monde de manga.
Hiromi Shota de Assassination Classroom est une mauvaise maman. Assassination Classroom est un manga écrit et dessiné par Yusei Matsui. Il raconte l'étrange vie des élèves de la classe 3E du collège Kunugigaoka, qui se trouve obligé d'assassiner son professeur qui s'appelle Kolo-sensei, une étrange créature qui a détruit 70% de la Lune et qui prévoit de détruire la Terre au prochain mois de mars. Hiromi Shota est la mère de Nagisa Shota. Nagisa Shota est un élève de la classe E du collège de Kunugigaoka. Nagisa et sa mère n'ont pas une relation mère-fils habituelle. En effet, cette dernière espérait une fille et ne cache pas sa déception. De plus, elle gère complètement la vie de son fils au point de lui imposer sa coupe de cheveux et de gérer elle-même ses études. Nagisa dit que sa relation avec sa mère est comme une nouvelle partie dans un jeu vidéo. Elle vit à travers lui en lui faisant faire ce dont elle a été incapable, ce qui lui a été refusé. Nagisa est plutôt effrayée par sa mère et n'ose pas s'opposer à elle. Kikyo Zodic de Hunter x Hunter est une mauvaise maman. Hunter x Hunter est un manga écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi. Il raconte la vie des aventuriers connus sous le nom de Hunter. Kikyo Zodic est la mère de Killua Zodic, l'un des protagonistes de l'histoire. Killua est le troisième enfant de la famille Zodic. La famille Zodic est une famille dont les membres sont spécialisés dans l'assassinat. Killua a été formé pour être l'un des meilleurs assassins de la famille. Kikyo a pour Killua un amour étouffant, mais n'en reçoit en retour qu'une réaction d'agacement de la part de ce dernier. Ennuyé et fatigué de tuer, Killua s'est rebellé contre sa famille de façon inattendue. Blessant sa mère et s'enfuit de la maison pour passer l'examen de Hunter. La mère de Rui de Demon Slayer est une mauvaise maman. Demon Slayer est une série de mangas écrite et dessinée par Koyoharu Gotouge. On y suit le périple de Tanjiro Kamado, qui cherche un moyen de rendre à nouveau humaine sa petite sœur Nezuko après qu'elle soit devenue une démon. Lui est un démon qui est le cadet de la famille du mont Natagumo, une famille de 5 démons aux traits d'araignée vivant au mont Natagumo. Bien que chacun joue un rôle dans cette famille, ils ne partagent aucun lien biologique avec Rui. Ce sont tous des démons obéissant à ce dernier car ils sont effrayés de sa puissance. La mère de Lui est une démon qui n'a aucun lien biologique avec Rui, mais elle se trouve obligée d'être la mère de Rui car elle est effrayée de sa puissance. Sinon, il existe aussi beaucoup de bonnes mamans dans le monde de manga. Mais ce genre de personnages ont tendance à mourir rapidement dans l'histoire. Il existe un autre étrange cliché qui concerne ce genre de personnages. Les bonnes mamans ont tendance à avoir des longs cheveux placés sur le côté. Trisha Elric de Fullmetal Alchemist est une bonne maman. Trisha Elric est un personnage de Fullmetal Alchemist, un manga écrit et dessiné par Hiromu Arakawa. L'histoire se passe dans le pays de Amestris, pays où l'alchimie est élevée au rang de science universelle. Deux frères, Edward et Alphonse Elric, parcourent le monde à la recherche de la légendaire pierre philosophale dans le but de retrouver leur corps perdu. Trisha Elric est la mère des frères Elric. Trisha Elric meurt d'une maladie. Les frères Elric essayent de ressusciter leur mère en utilisant la transmutation humaine. Celle-ci échoue. Edward perd alors sa jambe gauche et Alphonse perd son corps tout entier. Pour le sauver, Edward scelle l'âme d'Alphonse dans une armure grâce à un sceau de sang en contrepartie de son bras droit. Finalement, les frères Eric décident de devenir un alchimiste pour retrouver leur corps perdu. Carla Jaeger de Attaque des Titans est une bonne maman. Attaque des Titans est un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il raconte la guerre entre les Titans et l'humanité. Carla Jaeger est la mère d'Eren Jaeger, la mère adoptive de Mikasa Ackerman. Elle mourut dévorée par le Titan souriant après la chute de Mur Maria. Cet événement suscite chez Eren une haine intense envers les Titans. Lyoko Fueguchi de Tokyo Ghoul est une bonne maman. Tokyo Ghoul est un manga de Suishita publié dans le magazine Seinen Weekly Young Jump. Il raconte l'aventure des créatures nommées ghouls qui se nourrissent de chair humaine pour survivre dans la ville de Tokyo. Lyoko Fueguchi était la mère de Hinami Fueguchi. Lyoko Fueguchi est une ghoul du 20e arrondissement. Elle et son mari se font tuer par Kureo Mado, un inspecteur qui a pour mission d'enquêter et d'intervenir sur des situations impliquant des ghouls afin de les éliminer lorsque ceci est nécessaire. Hinami Fueguchi, devenue orpheline, elle développe des relations quasi fraternelles et très solides avec Ken Kaneki et Touka Kirishima. Analyse de Crowley! La voix de Crowley est faite par Nao Fujita. Nao Fujita est une actrice de doublage née le 14 mai, originaire de la préfecture de Nara. Nao Fujita fait la voix japonaise de Yugo de Wakfu. Wakfu est une série télévisée d'animation française d'Ankama Animation, se déroulant dans l'univers des jeux vidéo Dofus et Wakfu nommé Cosmos. Yugo, âgé de 12 ans, il est le principal protagoniste de la série. Il a été confié il y a 2 ans par un dragon du nom de Grugaloragan à son père adoptif Alibert. Le destin de Yugo bascule lorsqu'il découvre qu'il est capable d'ouvrir des portails de téléportation. À partir de cet instant, il apprend de la part de son père adoptif des révélations sur sa vraie famille qu'il gardait secret en l'attente de ce jour précis. Finalement, Hugo décide de partir à l'aventure avec l'aide de ses amis pour retrouver sa vraie famille.
Nao Fujita a fait la voix de Amelia Roussel de Hitman and Bodyguard, un film d'action américain réalisé par Patrick Hughes sorti en 2017. Il raconte l'aventure de Michael Brass, l'un des meilleurs gardes du corps au monde, et est engagé pour protéger rien de moins que son propre ennemi juré, le tueur à gages, Darius Kincaid. En effet, Kincaid doit témoigner et apporter les preuves des crimes contre l'humanité perpétrés par le dictateur Vladislav Dukovic devant la cour pénale dans les 24 heures. Amelia Roussel est l'ex-petite amie de Michael Bryce. Elle est aussi l'agent d'Interpol qui a engagé Michael Bryce pour protéger Darius Kincaid. Cronet possède une carrure robuste et intimidante. Elle a une peau foncée et des dreadlocks semblables à une femme noire. Il existe d'autres femmes à la peau foncée dans le monde de manga. Canaria de Hunter x Hunter est une femme à la peau foncée. Canaria est un majordome apprenti de la famille Zodiac. Quiconque tente de passer sur le terrain des Zodiac sans sa permission sera expulsé par la force. Elle empêche Gon et ses amis d'atteindre Killua. Elle est représentée dominant largement Gon au combat, mais plus il la défie, plus elle hésite, mais continue à attaquer. Finalement, elle se refuse d'attaquer Gon. Leiho Malu de Kill la Kill est une femme à la peau foncée. Kill la Kill est une série télévisée d'animation produite par le studio Trigger. Il raconte l'aventure de Lyuko Matoi, une jeune lycéenne vagabonde de 17 ans, transférée à l'académie Honnoji qui est à la recherche de meurtriers de son père. Lei Ho'omaru est secrétaire de Lagio Kiryu-in, l'antagoniste principal de l'histoire, qui est aussi le PDG de Revox Corporation et président du conseil d'administration de l'académie Honnoji. Yoruichi Shinro-in de Bleach est une femme à la peau foncée. Bleach est un manga écrit et dessiné par Tite. Il raconte l'aventure des Shinigami, des guerriers spirituels qui se battent contre des esprits maléfiques. Yoruichi Shinro-in est l'ancienne capitaine de la 2e division du Gotei 13 ainsi que des services d'espionnage. Ayant abandonné ces deux postes, et travaille actuellement avec Kisuke Urahara dans la boutique Urahara située dans le monde humain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sinon, moi, je ne suis pas trop intéressé par ce film. J'aime le manga The Promised Neverland, mais l'adaptation en film live action ne m'intéresse pas du tout.